Bonjour Mariano López, comment ça va? Bonjour Palma, ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Mariano, le 8 juin, c'est la Journée mondiale des océans. Je voulais qu'on parle justement de la manière toute spéciale par laquelle Ecomari se prend pour faire cette célébration de la Journée mondiale des océans. Il y a des vidéos, il y a de l'information, donc on va parler de la sensibilité, de la beauté des milieux marins, mais parlez-nous un peu de tout le projet autour de la Journée mondiale des océans. Oui, on voulait d'abord être présent. Le voilier Comaris et aussi une équipe de travail qui réfléchit comment on peut faire rayonner le fleuve Saint-Laurent, comment on peut faire connaître aussi cet endroit qui est magnifique, qui est unique dans le monde. Donc, c'est évident qu'on aimerait le faire le 8 juin. Sous des voiles avec du vent en train de découvrir différents endroits, mais la situation actuelle nous oblige à le faire autrement. Mais je pense que ça fait partie de notre capacité d'adaptation, d'avoir envie de partager notre passion pour le fleuve, notre passion pour je dirais, l'environnement marin, mais aussi dans notre volet éducatif de parler à nos participants, à nos jeunes, puis aux gens en général, de l'importance, je dirais, de rester en contact avec la nature actuellement et surtout avec le fleuve Saint-Laurent. C'est vrai que la nature, pour ceux qui ont accès, est vraiment une porte de sortie, au confinement. Finalement, ça nous permet de nous s'évader. Donc, j'imagine que c'est un peu l'idée que vous aviez en tête. Oui, tout à fait. Puis on pourrait dire que c'est une porte de sortie du confinement, de confinement, mais c'est une porte d'entrée à un univers. C'est une porte d'entrée à un univers qui est fascinant et qui est il est riche dans plusieurs aspects. On peut toutes nos actions ou nos programmes d'études sur le plancton nous permet de découvrir qu'est-ce qu'il y a l'univers sous-marin, l'univers qui est riche et qui est caché, que très peu de monde le connaît, et aussi de l'autre côté l'univers des vues, la voile, des univers marins et des mammifères marins qui sont dans le fleuve Saint-Laurent. Donc oui, c'est une façon de pouvoir sortir de qu'est-ce qu'on a, mais aussi de pouvoir rentrer puis plonger dans un univers à travers des vidéos et à travers je pense, des réactions et de pouvoir dire que même si actuellement on ne peut pas naviguer, mais qu'on est en train de tout préparer pour pouvoir permettre aux équipes qui vont venir sur le bateau pouvoir en profiter. En fait, est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que vous allez pouvoir recommencer vos cours sur le voilier? Ah, c'est une question à plus que 100 000 $. Évidemment, actuellement, on est dans la volonté de préparer le chantier. Il faut comprendre que un bateau qui hiverne, qu'il puisse naviguer, il faut faire un chantier. Et celle-là, ça veut dire que les gens puissent venir travailler, préparer, réinstaller le mât, faire la peinture, redémarrer les moteurs. Puis ça prend à peu près deux semaines si on est avec toute l'équipe. Mais évidemment, avec toutes les consignes de distanciation sociale, puis pour pouvoir respecter toutes les consignes qui sont déjà, on a Transport Canada, etc. Et c'est difficile à savoir c'est quand ça serait le go. On rêve que le 1er juillet, on va pouvoir mettre les mains à la pâte puis vraiment travailler, mais ça, c'est difficile à savoir. Mais on est prêt, on est prêt. Toutes les équipes sont déjà. On a des gens qui sont en Gaspésie, des gens qui sont à Rimouski, des gens qui sont nos marins de toujours. Là, on a la chance d'avoir une équipe qui est là depuis longtemps. On a une équipe qui, je trouve, qui a la particularité d'être passionnée des voiles, qui est passionné de nature, mais en même temps qui ont la sensibilité sociale qui nous permet de faire découvrir à des c'est l'univers du Saint-Laurent, les océans, à des jeunes qui normalement n'auraient pas pu avoir accès. Donc, on a vraiment une équipe qui a cette deux volontés, qui est la partie environnementale puis la partie
Action sociale. Éco-Marie, c'est une école non conventionnelle. Donc, si quelqu'un s'inscrit à cette école, à quoi cette personne peut avoir accès, justement? Dites-nous un cours typique chez Éco-Marie, ça serait quoi? On a des programmes qui sont différents. Il y a des programmes grand public où est-ce que des gens peuvent s'écrire puis aller vivre une expérience sur le Saint-Laurent et ils peuvent découvrir le fleuve avec une dizaine d'autres personnes à peu près. On a une capacité de 12 personnes par cohorte. Et on a une volée aussi qu'on appelle Plancton Cosmique qui est partir avec des scientifiques et étudier les étoiles pendant qu'on fait des études au niveau de l'univers planctonien avec des gens qui font des études live. Donc, on peut les aider, on peut collaborer avec eux. On a aussi des programmes de navigation avec des cadets où est-ce que les gens apprennent à naviguer parce que c'est un bateau école. Et aussi, parallèlement, on a un programme qui s'appelle Cabestan qui existe depuis déjà 5 ans en collaboration avec maintenant Service Québec et qu'on a la possibilité d'offrir à peu près chaque année, on a 4 voyages, 4 cohortes de 2 semaines où est-ce que des jeunes entre 18 et 35 ans puissent venir et passer un séjour sur le bateau pour se découvrir, pour peut-être se donner la chance d'avoir un futur qui est différent. Et le fleuve Saint-Laurent et les océans nous permet de faire ça. Donc, ces programmes sont très différents les uns des autres, mais il y a un programme on est très fiers, qui est le programme Cabestan, qu'on réussit à avoir à peu près une cinquantaine 12 par 80, une cinquantaine de jeunes par année et qui puissent passer à travers ce projet-là. Mariano, quel est votre rôle? Stratège en projet sociaux, le nom exact, c'est stratège de l'action sociale d'Écomaris. Donc, quel est votre rôle sur le bateau et dans l'école comme tel? C'est une bonne question, Paloma. Qu'est-ce qui est mon rôle? Depuis le début de mon implication à Écomaris, une des choses qui m'a allumé personnellement, c'est d'offrir un environnement alternatif et expérientiel. Ça veut dire que à travers les voyages qu'on fait, c'est pas juste d'apprendre à naviguer. C'est aussi travailler sur notre estime de soi, c'est apprendre à travailler en équipe. Si on a un temps de pause pour se questionner, est-ce que par où je veux m'en aller? Et la symbolique du fleuve, la symbolique de l'horizon, la symbolique de voir autrement, me paraît intéressant. Donc, depuis le début, je travaille à comment imaginer le programme, comment imaginer les types de formation, c'est quoi quand on parle de stratège là, c'est un grand mot là, mais c'est réfléchir à comment on peut avoir un impact avec nos jeunes à travers les programmes, mais qui aussi découvrent l'amour pour les fleuves et qui aussi devient des gens qui peuvent travailler dans le milieu maritime. On a des gens qui n'avaient jamais voyagé et qui n'avaient jamais voyagé en bateau, qui n'avaient jamais été sur un bateau, qui par la suite, ils découvrent des passions et qui vont faire des études pour devenir marin. Et ça, c'est une des choses dans lesquelles on est très fiers. On a plusieurs anciens participants qui travaillent avec nous maintenant comme matelots, en communication et tout ça, c'est simple, c'est donner la possibilité à des gens de découvrir des univers qu'ils n'auraient jamais eu de la chance, dont les univers, l'univers de la navigation, l'univers du bateau, le fait de vivre ensemble, le fait de travailler ensemble et collaborer, c'est des affaires qui sont uniques, là. Mariano Lopez, toujours un plaisir de vous parler. Vous êtes en cette occasion stratège de l'action sociale d'Écomaris. On s'est déjà parlé dans vos autres rôles dans le Cirque du Soleil, le Cirque social, etc. Donc, merci d'avoir accepté cette entrevue pour Radio-Canada International. Et puis, bonne chance cet été, hein? Oui, souhaitez-nous du bon vent. De la santé, puis qu'on puisse amener nos équipes découvrir les océans, là.
C'est ça l'idée. Je vous le souhaite. Merci beaucoup, Merci Mariano. beaucoup.